C'est Monsieur Splay Game. On se retrouve pour l'épisode 10 de AC Origins. Donc on va rejoindre le Fanium donc pour aller tuer le crocodile. Donc on le tuera pas aujourd'hui hein. Je fais deux épisodes à peu près par cible. Rencontrer haute presse, d'accord, l'informateur du feuilleur. Éradiquer les hommes du crocodile. Je ne suis pas le premier visiteur aujourd'hui. Haute presse ! Mec, il n'est pas là. Il faut que je trouve où est mon informateur. Bon, faut trouver où. Beaucoup de dégâts, mais pas de sang, ni de traces de lutte. Peut-être a-t-il pu fuir avant. Ces rouleaux ne m'apprennent rien d'utile. Je devrais aller voir là-haut. Oh, qui a pu faire une chose pareille? Qui protégeais-tu, mon ami? D'enfant. Ah, je vais tuer ce nez qui est cadette de crocodile. Des rouleaux et de l'encre. Ah, rien qui m'apprenne où est passé au Tefres. Ah, des plumes. D'un pigeon voyageur. Le commerce est nettement plus vivace. Et les activités économiques grecques se développent très rapidement dans tout le royaume. D'accord. Ok, je suis parti sur cette liaison. Avec l'augmentation des achats de terres égyptiennes et l'application de méthodes agricoles grecques, ah, il est le dernier. Des rouleaux, what the fuck. Le tracé par Grosé, c'est que je suis un de mes sorteurs a déjà été arrêté par Sida sous une fausse accession amenée au camp militaire voisin. Grosé, si tu tiens absolument à croiser l'épée avec moi, tu vas donc m'attraper. D'accord. Trouver et sauver les serviteurs. D'étouffe. En tout cas, en vie. Il saura où est au Tefres. Il doit être. Je prends la hache, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Ne bouge plus. Quand tu sais, je t'en mets gauche, je fais attention. Halt ! Ne bouge plus. Pas attirer l'attention ici. Hey.
Pitié, je t'ai dit tout ce que je savais. Qui es-tu? Un ami. Ne bouge pas et tais-toi. Je vais te sortir d'ici. Les dieux te bénissent. C'est Otefres qui t'envoie? Non, mais je dois le trouver. J'ai besoin de lui pour traquer le crocodile. Tu peux m'aider? Tu tiens debout? Oui. Otefres est sur le lac Moiris. Il convoie une grande statue qui porte notre marque. Le crocodile a engagé des mercenaires pour le retrouver. Alors je dois faire vite. Va te mettre à l'abri. Sois prudent. Bon, on va inventer Otefres, d'accord. Non, il s'en va, il s'en va. Ah oui, je m'en rappelle. Alors, comme ça, ils envoient un fils d'Égypte m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein? Je suis Bayek de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux, qu'est-ce que tu lui veux? Il fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa, tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre? Ma femme Kenout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien. C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kenout que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille, Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria.
Bayek, inspecte mon bateau avant de partir. Je recense tous les problèmes de la région dont le crocodile est sans doute responsable. Ça pourrait intéresser Medjay. Il le faut, désolé. Prospérité pour tous, on n'a pas de grain. Ils ont brûlé nos fermes. Il faut nettoyer cet endroit et le remettre en état au plus vite. Kenout ? Oui ? C'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider. Et j'ai la poupée de ta fille. Bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler. Bayek. Je vais l'appeler Izzet. Et maintenant, c'est elle qui va protéger tout le Fayoum. Depuis qu'Otefres s'est emparé de ce registre, le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre ? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa.
Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire ? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Viens, oncle Bayek ! On peut voir oncle Bayek. Au lieu de ce toit. Suis-moi ! J'espère que tu n'as pas le vertige. Bah... Guide-moi, petite. Je te suivrai. Ah oui, Shadia, je m'insiste en distance que... Où t'as appris à grimper comme ça? Ça a l'air amusant. Je viens souvent ici. Tout est si beau vu d'ici. Les gens, ils devraient être heureux. Mais non. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Où est ta maison? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Oh, des soldats hier, on va se faire un peu de sein. Tu devrais aller retrouver ta mère. Ça risque de... On a retrouvé le registre ? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Le capitaine est en train d'interroger le serviteur là-haut. Regarde ces crétins d'Égyptiens ! Le sang de quel... Ah merde, j'ai été détecté. Il me tue, mais one shot. Mais non. Mais j'ai mis en mode cauchemar aussi là, vu que c'était trop facile là, mais... Ouais, je vais peut-être la remettre en difficile finalement parce que... Ils attaquent à vue par ici. Oh!
fait-il? Ils ont dit qu'il était ici. Par les dieux. C'est Shadia qui... Oh fuck, c'est la petite qui l'a pogné. C'est elle qui a le registre. Et je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Il faut que je trouve Kenut avant les soldats. Oh, Shadia. Qu'as-tu fait, petite? Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Tu as vu Kenut? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenut a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écoutée. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Ah, Paramon! Kenut et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Sauver Kenut au phare, ouais, ouais. Nec! Prospérité pour tous, qu'il nous dit. Elle est où, hein? Ah, Viens à toi. Aïe. Qu'est-ce qu'on a fait? Par les dieux, qu'est-ce qu'on a fait? Calme-toi, frère. Quoi? Arrêtez-le! En cachette. Oh oui. Shadia. Shadia. T'es où? Oh, c'est sérieux, ils l'ont tué.
Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille, ma Shadia, ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenut a pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs, de la reine de crocodile. De la reine, ouais. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Et voilà, c'est tout ce vidéo. La prochaine fois, on va tuer que crocodile. Parce que quand même, tuer la petite, ça fait chier. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, on va aller à l'arène. Ça, j'avais hâte de ça. Là. C'est dingue, l'arène. Donc, c'est tout cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On se retrouve dans une vidéo. Ciao!